Voilà, donc ici, nous sommes sur le Danube, à Budapest, la capitale de la Hongrie, où Viktor Orban est actuellement Premier ministre. Viktor Orban, qui mène une politique chrétienne dans son pays. Là, nous avons le Parlement. Là au fond, on voit pas très bien, c'était le palais impérial. Il fut un temps où la Hongrie faisait partie de l'Empire austro-hongrois, qui a été dépecé après la Première Guerre mondiale en 1918. Voilà, Sissi était impératrice d'Autriche-Hongrie. Sissi, donc, qui est mort assassiné à la fin du 19e, certainement pour un franc-maçon. Alors, une des grandes conséquences de la fin de la Première Guerre mondiale, voulue par nos chères élites, banquiers centraux, Illuminati et autres, était de détruire l'un des derniers bastions catholiques de l'Europe, à savoir donc ce fameux empire austro-hongrois. Donc après là, après la République qui est d'essence satanique, hein, la République, ils en sont à leur deuxième, non, enfin voilà. Enfin, c'est dommage, mais j'espère que l'Europe redeviendra catholique et monarchique.